streets and left with qui va te donner envie de te battre. Alléluia. C'est pour ça que moi j'admire beaucoup les sportifs, les artistes. Ce sont des gens qui poursuivent quelque chose. Hein? Quand un Anthony Obama va gagner une médaille, il poursuit quelque chose. Tu vois, ce n'est pas juste pour lui. Lui, il ne poursuit pas la médaille pour lui. Il poursuit un accomplissement pour sa nation. Parce que c'est son pays qui est représenté. Donc, c'est un ambassadeur pour son pays. En fait. Donc, ça le rend heureux. Parce que quand il voit sur les Facebook et les Twitter, les gens qui disent « Tu nous rends fiers !»« Tu nous rends fiers !» Cette semaine, je marchais. Je sortais de ma voiture et puis j'allais au Gap pour retirer de l'argent. Et puis là, il y avait deux messieurs qui passaient. Et puis l'un des messieurs dit, attends, l'équipe nationale, attends, même l'entrée au stade, on a fait ça gratuit, ils nous ont déçus. Attends. Donc franchement, ce n'est pas une fierté pour nous. J'ai écouté, j'ai fait, ah ouais. Je pense que là, ils commencent à toucher le fond. Il faut qu'ils remontent vite là, parce que les gens sont fâchés là. Alléluia. Mais on aime quand même nos panthères, n'est-ce pas? Amen. Tu vois, et ces besoins-là, ce sont tous les besoins économiques les plus importants que cet homme-là a identifiés. Et figurez-vous qu'il avait raison. Il avait raison. Et Jésus-Christ lui donne raison. Mais, dis avec moi, mais. Jésus-Christ va donner un verdict par rapport à la théorie de Maslow. Quand vous lisez votre Bible sans que vous ne vous en rendiez compte, Jésus-Christ est en train de parler de la théorie de Maslow. Sauf que Jésus-Christ va démonter Maslow. Il va le démonter. Tu sais pourquoi? Parce que tous les besoins que nous venons d'énumérer, pour pouvoir les combler, la clé pour les combler s'appelle avoir un travail. Si tu n'as pas de travail, tu ne peux pas combler ces besoins-là. Salomon ne savait pas que Jésus-Christ allait venir dire toutes ces choses-là. Mais Salomon, en partie, a donné raison à Maslow lorsqu'il a dit, dans le livre des Proverbes au chapitre 13, je crois, où il dit... Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité ou encore le travail. Donc, c'est très important d'avoir un travail. La différence avec nous et les païens, c'est que la source ou encore la clé de l'épanouissement d'un païen, c'est son travail. Parce que c'est de son travail qu'il tire tous ses revenus, toutes ses richesses, tout ça. Et parce que les païens... considèrent leur travail ou encore tout type d'activité qui leur rapporte de l'argent comme étant la source de leur épanouissement, la source de leur bonheur, la source de leur enrichissement, dès qu'ils perdent leur travail, ils sont tristes. Mais Jésus-Christ dit une chose, il dit, ok, Maslow a peut-être raison, mais sachez que la source de votre prospérité, pour pouvoir combler tous ces besoins, ce n'est pas votre travail. Parce que dans le royaume, la source de notre prospérité, ce n'est pas le travail. Alléluia. Regarde ce que Jésus-Christ dit ensuite. Livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 24. Prends ta Bible parce que c'est un peu petit là. Au verset 24. Il dit ceci. Du verset 24 au verset 34. On va lire un tout petit peu. Regarde ce qu'il dit. Il dit... Il commence en disant, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » D'autres versions de la Bible disent, « Dieu et l'argent. » Il continue, « C'est pourquoi je vous dis, regarde ce qu'il dit, et il va le répéter à plusieurs reprises, parce qu'il sait que c'est le cas quand il regarde vos visages. » C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? N'est-il pas en train de parler du premier niveau des besoins de Maslow?
Il est en train de parler des besoins physiologiques là. Il dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous mangez, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de quoi vous vous vêtirez. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? La vie vaut plus que ça. Il continue. Au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Dites-moi le Père Céleste. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des billes en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit. Je suis les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est, et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Hein? Qui de vous, regarde ce qu'il dit, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Il est en train de te dire que tu sais, chaque fois que tu t'inquiètes là, ça ne va pas rallonger ta vie. Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes que ça va résoudre ton problème. Si par exemple, ton loyer n'est pas payé, et puis tu es là, tu dis, Seigneur, mon loyer n'est pas payé. Et puis tu commences à t'inquiéter maintenant. Oh, comment je vais faire? Oh Yahweh! Mon loyer n'est pas payé. Hé hey, Jésus, oh! Tu sais, le Père, il a été regardé. C'est pas une prière, ça. C'est pas parce que tu vas commencer à couler des larmes. Vous n'avez pas remarqué dans la Bible que Jésus n'est jamais ému par les larmes. Jamais Jésus n'a été ému par les larmes. Jamais. Jésus est touché et ému par la foi. C'est pas la même chose. C'est pour ça que beaucoup vous pleurez dans l'église. Vous pleurez à cause de vos vies. Dieu n'intervient jamais. Parce que sache aujourd'hui, c'est peut-être un mystère que je te révèle, sache que Dieu ne bouge pas parce que tu pleures. Dieu n'exauce pas les larmes. Dieu exauce la foi. Le meilleur exemple dans la Bible, c'est Anne, qui pleurait pendant des années parce qu'elle était meurtrie par les insultes de Pénina. Elle pleurait, 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 pleurait. Dieu ne l'avait jamais exaucée. C'est le jour où elle a fait une prière de foi. Si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Bah, elle est exaucée. Alléluia. Oui. Donc, ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu va te... Je te dis, connais ton Dieu. Dis avec moi, connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Dieu n'exauce pas les larmes. C'est pour ça que moi, vous ne me voyez jamais pleurer. C'est parce que je venais pleurer devant vous que Dieu va m'exaucer. Dieu exauce la foi. Il y a des actes de foi que tu dois poser qui vont toucher le trône de Dieu et il va t'exaucer. Mais si tu te morfonds dans tes inquiétudes, Jésus-Christ dit, tu ne peux pas rallonger ta vie avec ça. Tu mourras comme tout le monde. Dis que moi avance, pasteur. Et il dit, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Hein? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Ce n'est pas les questions que vous vous posez dans vos maisons? Oh voilà, c'est encore les législatives, oh, ils vont venir nous fatiguer avec leurs promesses là. On va encore manger quoi? Ils nous parlent tout le temps de 2% de croissance, 3% de croissance. Est-ce qu'on mange la croissance dans les assiettes? C'est parce que j'entends certains Gabonais qui parlent comme ça. On va manger quoi? On va envoyer les enfants à l'école comment? Hein? C'est parce que vous passez la majeure partie de votre temps avec les païens que vous parlez comme eux au bout d'un moment.
On va envoyer les enfants à l'école comment? On va payer l'école comment? On va manger comment? Hein? C'est compliqué. Le pays est à terre. Il n'y a rien. Toujours les mêmes. C'est toujours eux. Toujours eux. Toujours eux. Hein? On n'a rien. C'est compliqué. Etc. Etc. Dieu dit, mais ça, ce n'est pas des paroles de foi, ça. En quoi tu te différencies d'un païen? Parce qu'il dit, ne leur ressemblez pas. Dites-moi, ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas veut dire ne parlez même pas comme eux. Le problème avec l'église, c'est que Jésus-Christ a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Le problème, c'est que quand Jésus-Christ arrive chez nous, il ne trouve pas la foi. Nos attitudes ne demandent pas la foi. Nos comportements ne demandent pas la foi. Comment nous nous vêtir, comment nous habillons, comment nous comportons les uns avec les autres, comment nous comportons avec les païens, ça ne demande pas la foi. Et Dieu ne nous exauce pas. Voilà pourquoi il a introduit son discours en disant, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens. Alléluia. Il continue. Gens de peu de foi, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera ajoutée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi, verset 31, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Regarde ce qu'il dit ensuite, votre Père Céleste, dites-moi notre Père Céleste, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, il sait cela. Point. Quand il s'arrête sur le point ici, avant de donner la dernière parole, il vient de démonter Maslow. Il vient de dire, votre Maslow là, c'est un petit joueur. Il m'énumère les besoins physiologiques, sociaux, etc. Et il est en train de nous dire que pour résoudre tous ces problèmes-là, il faut avoir le travail dans la vie, il faut être en communauté, etc. Non. La source de votre bonheur et de votre prospérité n'est ni dans le travail, ni dans les gens. La source de votre bonheur et de votre prospérité, ce que j'appelle la clé de l'économie du royaume, c'est ce que Jésus-Christ dit ici, votre Père Céleste. Voilà pourquoi il dit au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alléluia. Acclame un peu le Seigneur. Dans le royaume de Dieu, la clé de l'économie, la clé qui permet d'avoir une économie prospère, la clé de la richesse, la clé du bonheur, la clé de la grâce, la clé qui te garantit un emploi, qui te garantit d'avoir de l'argent, qui te garantit de combler tous tes besoins, c'est le Père Céleste. C'est pour cela que Jésus-Christ parlait tout le temps de son Père. Dans le royaume de Dieu, la clé, c'est-à-dire celui qui déverse dans nos vies, c'est le Père. C'est pour ça qu'il faut connaître le Père. Dites-moi le Père. Chaque fois que tu lis le mot Père, en français ici, c'est le mot grec Abba. A-B-B-A. Abba veut dire quoi? Source. La source de toute chose, c'est Abba, c'est le Père. Tu as besoin d'argent, c'est ton Père qui te le donne. Tu as besoin d'un logement, mets ta foi dans le Père. Tu as besoin de soigner, mets ta foi dans le Père. Tu as besoin d'envoyer tes enfants à l'école, mets ta foi dans le Père, parce qu'il est la source. Oui. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, votre Père Céleste, il sait que vous avez besoin de ces choses. Ton Père, celui qui t'a créé, qui t'a donné la vie, tu penses qu'il ne sait pas que tu as besoin de manger? Tu penses qu'il ne, tu ne sais pas que tu as besoin de te vêtir, de boire? Il le sait. Pourquoi tu lui demandes ces choses? Rends-lui grâce. Rends grâce. Un jour, ils sont dans le désert. Et puis, il dit, Seigneur, renvoie les foules. On n'a rien à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Mais nous n'avons rien. Qu'avez-vous? Juste trois pains et cinq poissons, je ne sais plus. Il dit, ok, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, il prie et il rendit grâce au Père.
Il dit, Père, je te rends grâce. Si tu as un peu à manger à la maison, c'est compliqué en ce moment, il n'y a pas beaucoup à manger. S'il y a juste une conserve qui reste, et tu sais que c'est tout ce qui va rester toute la semaine, ça va être compliqué. Tu prends la conserve, tu dis, Père, je te rends grâce. Et quand tu fais ça, demain, tu vas avoir le miracle. Oui, ça c'est le Père. La clé du royaume, la clé de notre économie dans le royaume en tant que fils de Dieu, c'est notre Père. Vous parlez beaucoup du Saint-Esprit, vous parlez beaucoup de Jésus, mais vous parlez très peu du Père. Le Père, c'est la source. C'est pour ça que le Père, les gens, beaucoup de gens ont du mal à croire que Jésus est Dieu le Fils, parce que Jésus s'est toujours soumis au Père. Donc on dit non, c'est juste un envoyé ou un messager et il ne peut pas être Dieu. Parce que Dieu, le Père, c'est Dieu en fait. Non, Jésus est Dieu le Fils. Ok? Mais dans l'ordre de la Trinité, celui qui est la source, c'est le Père. C'est de lui que tout découle. Alléluia! Regarde ce qui est écrit dans le livre de Luc, au chapitre 11, au verset 9. Regarde, il dit une parole très intéressante ici. Il dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tout ce qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Regarde l'image qu'il te prend. Vous-même, vous êtes père et mère, non? Vous-même, dans vos vies. Il dit, quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais, vous êtes mauvais vous-même, parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, vous êtes mauvais. Parce que vous savez donner à manger vos enfants, mais quand il s'agit de donner à manger, ne serait-ce qu'à ton voisin, tu ne veux pas. Tellement tu es mauvais. Mauvais comme vous êtes. Hein? Mauvais comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Pourquoi le Saint-Esprit? Dis avec moi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le royaume personnifié sur la terre. C'est pour cela que quand tu donnes ta vie à Jésus, le plus beau cadeau qu'il te fait, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la clé du royaume. C'est lui qui est connecté avec le Père tout le temps. Il est le tuyau divin là, qui envoie tout. Donc le Père, il est tellement bon que dès que tu donnes ta vie à Jésus, il te donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il faut l'aimer, il faut avoir une intimité avec lui. C'est de dire, Saint-Esprit, merci pour ci, merci pour ça. Merci parce que le Saint-Esprit a une seule mission, c'est de te rendre heureux. Oh, le Saint-Esprit n'a qu'un seul agenda, c'est de te combler, de te rendre heureux. C'est pour ça que quand tu l'attristes, c'est le plus grand blasphème. Comment tu fais du mal à quelqu'un qui veut te rendre heureux? C'est le plus grand péché qui est impardonnable. Il est venu pour ça sur la terre, Dieu le Saint-Esprit, pour nous rendre heureux. C'est pour ça que quand tu es vraiment à terre ou quand tu as un grand besoin, ce qu'il attend de toi, c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, quand tu as un besoin, quand tu as un problème, ne va pas te plaindre par-ci et par-là. Va t'enfermer dans ta chambre et tu pries dans le lieu secret parce que c'est là que le Père te voit, dans le lieu secret. Tu viens dans le lieu secret et tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai un problème, Seigneur, aide-moi. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Ça ne va pas, Seigneur. Tu ne vas pas devant, oh c'est compliqué, tout ça. Non, va devant les gens. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, encore quand il fait son discours de politique générale, il dit quand tu jeûnes, ne montre pas aux gens que tu es en train de jeûner. Parfume-toi, montre que tout va bien. Personne ne doit savoir que tu es en jeûne et que tu es en secret avec ton Dieu en ce moment. Il dit, parfume-toi. Parce que toi, ta clé, c'est le Père. Les gens disent, mais la femme là, on ne sait pas comment elle fait. Comment elle peut passer par des moments aussi difficiles et garder le sourire? Mais ils ne savent pas que toi, ta source, c'est le Père. Ouais. Alléluia. On dit qu'à Port-Gentil, vous tous qui êtes à Port-Gentil là, qui nous regardez, on dit qu'à Port-Gentil, oh les licenciements, tout va, les gens ont perdu le boulot, etc. Les gens ont fait les marches, ils ne sont pas contents, etc.
Et alors, dis avec moi, et alors. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dis, et alors, mon Père prend soin de moi. Si vous vous inquiétez, moi je ne m'inquiète pas. Le Père va s'occuper de moi. Ouais. Même lorsque tu as un semblant d'inquiétude qui veut monter là, parce que tu regardes tes enfants là maintenant, tu dis, hey, je vais faire comment, etc. Non, t'inquiète pas. Dis avec moi, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Parce que le jour où tu as confessé, Romains chapitre 10 au verset 9, Jésus comme ton Seigneur, et que tu as cru dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, mon Dieu, s'il y a bien une chose que le Seigneur s'engage vis-à-vis de son peuple, c'est de prendre soin de lui, de le protéger. Tu veux cette onction? Tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des billes en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est, et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Et de garantir sa sécurité. Ça, c'est le Seigneur. C'est ce qui caractérise le plus un Seigneur. Alléluia. Ouais. Ne vous donnera-t-il pas à plus forte raison le Saint-Esprit, qui est la source de toutes choses? Je te montre encore, je t'ai pris quelques versets. Au verset 12, plutôt au verset 6 du chapitre 12, il dit, « Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 petites pièces? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. » Même vos cheveux sont tous comptés. Dieu te connaît. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Il continue au verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Il continue au verset 23. La vie est plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement. Et au verset 32, « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez, bien-aimés? C'est le message d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. La fin de l'année approche. Pourquoi vous avez peur? Il y en a ici, vous avez peur. Arrêtez d'avoir peur. Vous priez Jésus, non? Le tout-puissant Jésus. Vous avez peur de quoi? N'ayez pas peur. Moi, quand j'ai commencé cette œuvre-là, j'ai tout abandonné, gars. J'ai tout abandonné. J'ai quitté mon Paris où j'étais tranquille. Je suis venu me perdre chez vous, les Gabonais, là. Je suis venu, j'étais là. Je croyais en une seule chose, à la parole qu'il m'avait donnée. Je ne connaissais personne ici. Je ne connais aucun pasteur. Je ne sais même pas comment ça fonctionne, le milieu pastoral ici. C'est pour ça que quand on me dit, mais fais-ci, il y a tel homme de Dieu, vas-y le voir. J'ai dit, je ne le connais pas. Moi, je ne connais pas ces histoires-là. Maintenant, j'apprends. Alléluia. Tu es la seule. Et tu, ta source, c'est le Père. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui vas pourvoir. Si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, comment est-ce que je vais faire pour payer mon loyer, etc. Ce n'est pas grave, Seigneur, tu vas prendre soin de moi. Oh, tu vas prendre soin de moi. C'est pour cela que apprenez à marcher la tête haute quand vous êtes dans la rue. Soyez fiers de qui vous êtes en Jésus-Christ. Si vous n'avez rien dans les poches, c'est pas grave, voyez-vous dans l'abondance. Marchez par la foi et de manière prophétique. Posez des actes prophétiques. Marchez comme ça. Oui. Je t'assure, même si tu es à terre aujourd'hui, que tu es broke comme pas possible, je t'assure, le Dieu là, il peut te propulser. Ce Dieu là, il peut sérieusement te propulser. Parce que tu ne le connais pas, tu le négliges beaucoup. Il faut croire en lui. Le Père, rien ne lui est impossible. Rien. Tout est possible à celui qui croit. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, a dit Jésus. Rien n'est impossible. Rien. Si c'est un cas de décès, ou c'est un malheur, ou c'est un cas de maladie, il est venu devant Marie et il a dit, Marie, je suis la résurrection et la vie. Tu as peur de quoi?
Tu as peur de quoi? Voici le Jésus que nous prions. Si moi, le Jésus que je prie me dit, je suis la résurrection et la vie, je n'ai même pas peur de la mort. Parce que je sais que Seigneur, si un jour tu me rappelles, laisse-moi d'abord le temps de finir ma mission, mais si un jour tu me rappelles, je sais que je ressusciterai au dernier jour. Je le sais. Alléluia. Je parlais avec quelqu'un cette semaine. Et je lui disais, mais qu'est-ce qui te garantit ta religion que tu fais là? Qu'est-ce qui te garantit que... Enfin, est-ce que tu sais où tu vas aller après la mort? Il dit, non, je ne sais pas, mais je crois que mes bonnes actions sur la terre m'emmèneront dans un bon endroit. J'ai dit, frère, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est Jésus-Christ qui est la porte du salut. Ouais, et c'est en lui que tu dois croire. Et je lui dis, eh bien, toi tu ne sais pas, moi je sais où je vais aller. Il dit, ah bon? Je dis, ouais, je sais où je vais aller. Moi, je vais aller dans un endroit qui s'appelle le paradis. C'est un bel endroit. Là-bas, on se choye, on chill toute la journée. C'est trop cool. C'est pour ça que Paul dit, c'est vous qui me retenez encore sur la terre là. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais déjà rejoint mon Seigneur. Ouais. La plupart des témoignages des gens qui sont morts un moment et que Dieu leur a demandé, est-ce que tu veux retourner? Tous, ils ont dit quoi? Pouf. Ouais. Je reste là-bas. Ouais. Parce que nous, les gens, les païens dehors, ils pensent que c'est terrifiant là où on va. Mais nous, notre espérance, elle ne nous terrifie pas. Parce que nous, on sait que là où on va, c'est mieux. C'est 10 fois mieux. Voici l'espérance des chrétiens. Parce que Jésus-Christ a dit, maintenant que je m'en vais là, je m'en vais vous préparer des demeures. Ah, cette parole, c'est le socle même de l'espérance chrétienne. Je m'en vais vous préparer des demeures. Ce n'est pas des maisons, des demeures. Tu sais, c'est quoi une demeure? Les demeures, c'est ça là. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connecté à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye.